Ah, papa. Bonjour, je suis Joséphine. Et moi, c'est Tessie. Et ben, on travaille toutes les deux pour notre compagnie qui s'appelle Beautiful Mess et qui a été créée il y a maintenant presque 2 ans. Donc, on est interior designer et aujourd'hui, on va vous présenter quelques petits objets qu'on a choisis chez La Redoute pour enhance votre salon. Donc Tess, moi ce que j'ai choisi aujourd'hui à La Redoute, c'est justement de faire un petit plateau, tu sais, comme j'adore faire ça, pour mettre au milieu de la table. Donc, la bougie, parce que toujours la bougie, l'incontournable. Donc je suis partie sur un effet béton pour casser en fait et essayer d'utiliser le plus de matières différentes. Des petits pots en marbre pour venir casser un peu tout ça et ne pas garder des couleurs trop neutres. Et puis le vase transparent qui est un peu plus haut et curvy, éclectique, qui est très chouette et différente. Et ben, of course, j'ai été casser une petite plante dans le jardin pour venir finir le tout parce que ben, on adore la nature. Ben, le plateau en rotin pour la touche un peu ben, tropicale avec toutes les autres matières qui sont super froides, le verre, le béton et le marbre pour amener un peu de chaleur justement. Alors donc Jo, moi je pense qu'un incontournable pour moi dans n'importe quelle pièce de la maison, tu me connais, j'adore les tapis. Là j'ai choisi un petit tapis en coton avec des franges, couleur assez sympa, qui reste assez douce et neutre, ouais, exactement. Que ça ramène un petit peu de vie et un petit esprit plus cocooning à l'espace. Enfin de toute façon je ne vois pas un salon sans tapis. On est d'accord. C'est interdit. Voilà. C'est interdit. J'approuve ton tapis. Merci. Puis j'ai choisi un petit side table. En fait, je trouve que c'est assez sympa parce que ça reste hyper pratique du coup. Tu peux poser toutes sortes de choses dessus et que ça reste quand même fonctionnel. Donc avec le petit plateau de là sur la plus petite table qui est en rotin tressé. Ça donne une petite touche moderne, assez sympa et assez neutre, je pense. Pour reprendre les couleurs du tapis, j'ai choisi donc un assortiment de coussins de différentes tailles, formes, différentes matières. Donc là on est sur un petit... Terracotta. Petit terracotta qu'on adore. Je pense que ça se voit. Un carré, un plus petit rectangle. Plus petit rectangle. Avec des motifs. Et je trouve que justement, d'avoir amené le motif, ça juste donne un petit coup de peps. Et pas avoir un truc justement qui est trop... Que du neutre. Voilà. Donc en parlant de lampe justement, ben moi j'ai choisi une petite lampe pour venir poser chez ta side table. Ouais. Oui. Et ben ça rappelle le côté rattan et naturel qu'il y a chez ta table. Et puis ben c'est assez fun et on adore les trucs fun. Ben, nous, dans notre métier de interior designer, on travaille en général sur nos projets tout de A à Z. Donc, beaucoup de côté structurel jusqu'au dernier détail de déco. Et ça, c'est la partie qu'on adore et qui nous excite le plus. Donc, de venir à La Redoute, c'est la petite demi-journée excitante pour nous, justement, parce que on garde un budget en général sur les projets où on va venir créer des petites choses comme ça. En fait, on trouve juste que ça vient vraiment combiner tous les éléments et l'atmosphère générale d'une pièce. Ce qu'on aime aussi, je pense, avec les items de La Redoute, c'est que oui, il y a un choix vraiment varié. Bien sûr, il en faut pour tous les goûts, mais je trouve que c'est dommage d'aller sur un truc qui est 100% complètement moderne ou bohémien ou je ne sais quoi. Donc, on aime bien ce côté un petit peu éclectique où on peut venir mélanger justement des matières, des styles, des couleurs et on trouve qu'ici on a toujours. Il y a pour tous les goûts. Voilà.